Paris, 1h du matin, la ville est endormie. Mais aux 10 places de la Concorde, c'est l'effervescence. Attention le lustre, plus sur le côté là. À cette heure des braves, dans cet écrin de luxe, Jorge Varda, l'artisan fleuriste, va se faire quelques frayeurs. Oh putain! Deux fois par semaine, il doit changer l'intégralité de la composition florale de la maison. Attention, ça va lâcher violent. Sa dernière idée, installer un saule tortueux et gigantesque de plus de 6 mètres de hauteur au cœur de l'hôtel. Attention, attention. Tu regardes les lustres, Georges ? Ouais. Vous êtes mégalomane ou c'est ce qu'il faut pour... C'est ce qu'il faut pour ici. Il arrive à peu près à 80 cm du plafond, c'est la bonne taille. Une pièce unique, aux mensurations extravagantes. Il faut le relever par là, il faut vraiment le relever par là. C'est la recette du fleuriste pour surprendre cette clientèle ultra exigeante. Là, on est pas mal. Il penche un peu, mais ça, on va le régler. Là, c'est une pièce qui va faire parler. Soit les gens vont trouver ça beau, soit ils vont trouver ça étrange. Enfin, ça ne laissera personne indifférent. Et le but premier, c'était ça. Qu'on ait quelque chose que les gens n'ont pas vu ailleurs. Voilà. À l'hôtel de Crillon. Il faut un sac de sable directement là. Les choses sont toujours faites un peu différemment. Se renouveler sans cesse. Faire la différence, étonner, c'est la ligne de conduite imposée par le capitaine de ce paquebot. De l'autre côté de la rive, au pied de la tour Eiffel, il est déjà 5 heures. À 57 ans, Marc Raffray dirige l'hôtel de Crillon depuis sa réouverture le 7 juillet 2017. Avant de commencer sa journée, il a un rituel. Une heure de boxe en pleine rue avec un coach privé. Un entraînement intensif, mais nécessaire. C'est physique, votre histoire, là, quand même? C'est un peu physique. C'est un peu physique, ben, ça vous permet de vous maintenir, parce que la gestion du stress, ça passe par la tête, principalement, voire uniquement, puis ça vous garde en forme. Ça vous fait attaquer la journée plein de bonnes énergies positives. Excellent. Et donc voilà, c'est mon exutoire. 4 mois après l'ouverture, la pression est énorme pour le capitaine de l'hôtel. Les prochains mois sont déterminants pour l'avenir de sa maison de luxe. L'hôtel de Crillon trône au cœur d'un des quartiers les plus prestigieux de la capitale, installé place de la Concorde, face à l'Assemblée nationale, à 2 pas de la plus belle avenue du monde. Waouh! Oh mon Dieu! Sa vue exceptionnelle donne l'impression d'avoir Paris à ses pieds. Il nous faut des fraises et du champagne. Ouvert pour la première fois en 1909, son confort luxueux et sa renommée attirent au fil des ans la préférence des têtes couronnées et des chefs d'État. Les stars suivent le pas. Elles y ont leurs habitudes, voire leur résidence secondaire. La suite de Madonna se trouve au troisième, suivez-moi. Madonna, on t'aime! L'hôtel est un mythe. Mais en 2010, tremblement de terre. L'hôtel vieillissant ne peut pas prétendre au statut de palace. En 2013, il est revendu à un prince saoudien. Il engage 200 millions d'euros de travaux, un chantier titanesque. Pendant 4 ans, l'hôtel est rénové du sol au plafond avec un objectif: décrocher le titre très sélect de palace. Le 5 juillet 2017, le 10 Place de la Concorde rouvre ses portes. Mais 10 palaces quadrillent désormais le 5 étoiles. Dans ce contexte ultra concurrentiel, seule la qualité du service peut faire la différence. Les équipes n'ont que 12 mois pour faire leurs preuves. Bonsoir mesdames, bienvenue à l'hôtel de Crillon. Et c'est durant cette course folle que l'hôtel mythique a accepté de nous ouvrir ses portes. Une première dans son histoire. Nous avons vécu avec celles et ceux qui, en coulisses, s'affairent à reconstruire le prestige d'un des hôtels les plus célèbres du monde. Service housekeeping, bonjour. Pilier incontournable d'un hôtel de luxe, Karima est femme de chambre. Elle doit garantir une propreté et un confort irréprochables aux clients riches et exigeants. C'est les petits détails qui comptent, c'est ça le luxe.
Mais ses 20 ans d'expérience sont-ils suffisants pour s'adapter au nouveau code du luxe? Bienvenue à l'hôtel de Crillon, je suis Cédric, votre majordome. À 29 ans, Cédric est majordome. Avec lui, vos désirs sont des ordres. La Porsche, ils l'ont déjà, donc ça sert à rien de leur offrir une deuxième Porsche. Par contre, ce qu'ils n'ont pas, justement, c'est ces petites attentions. Grâce à ce service unique dans le monde de l'hôtellerie française, le 5 étoiles compte bien faire la différence. Oh mon Dieu. C'est magnifique. Mais les clients seront-ils réellement séduits? La suive de champignons, de foie gras, de l'hôte. Yeah. Pour accéder au titre de palace, le chef Christopher H. joue un rôle clé. À la tête du restaurant gastronomique de l'hôtel, il doit sans cesse surprendre une clientèle intraitable. Son objectif? Retrouver ces deux étoiles perdues après la fermeture. Mets les tourtes au four. Vas-y, vas-y, pose pour moi, tu crois que j'ai le temps? À 30 ans, Yves est responsable des événements exceptionnels. On peut y aller en bataille, s'il vous plaît? Il doit s'adapter à tout et tout le temps sans jamais avoir droit à l'erreur. De Paris à Las Vegas. Je suis Cédric, ravi de vous rencontrer. En passant par Beyrouth. C'est une belle épreuve. Une belle épreuve dans une carrière. Nous avons suivi leur quotidien. Ah, tu l'as mis à l'envers. Vécu leurs doutes, leurs déceptions et leurs victoires dans cette reconquête de la légende. Il est 7 heures. Ça va, Adrien, tu vas bien? Les équipes de nuit quittent bientôt leur poste. Ça va, comment s'est passé la nuit? Marc, lui, est le premier arrivé. Et tous les jours, il a la même routine. Non. Rendu la suite d'Einstein. Bien, bonne journée. Bonne journée. À plus tard, merci. Avant de s'attaquer aux urgences, il fait le tour de l'hôtel pour saluer un à un ses 380 salariés. Bonjour, comment ça va? Bien, on est prêt pour ce matin? Cet homme de terrain, qui a débuté sa carrière comme simple serveur, sait que ses équipes sont le trésor d'une maison de luxe. On est prêt, ça va? Oui. Ah, donc c'est ça qui vient de s'installer. Ah bah c'est beaucoup mieux. Donc ça a été installé hier soir? Car à chaque instant, ils peuvent être amenés à servir un client mystère envoyé par Atout France, l'organisme officiel qui attribue l'appellation Palace. Voilà, là on est sur la partie du back-office, petite tournée. Comment ça va ce matin? Oui, ça va très bien. Bien? Oui, très bien. On est prêt pour la journée? Exactement, oui. C'est donc la qualité du personnel qui fera pencher la balance. C'est important de dire bonjour, il faut sentir si les équipes sont prêtes. Une poignée de main, un encouragement va déjà lancer la journée et donner le ton. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est ce petit plus qui va faire la différence et qui va permettre d'avoir une journée qui se passe dans les meilleures conditions. Alors Marc reste un patron accessible, mais très exigeant. Il ne laisse rien passer. Là, il faudra que tu changes de chemise, elle est un petit peu trop grande pour toi. Qu'est-ce qui se passe là, par exemple? Alors là, par exemple, on lui a donné une chemise qui est beaucoup trop grande. Donc le pauvre, il n'est pas dans sa meilleure présentation. Donc ça aussi, c'est important. Quand on fait face au client, il faut qu'on soit juste impeccable. Mais faire marcher 380 personnes à l'unisson est un énorme défi. Aujourd'hui, Marc va en faire l'expérience. Pour la première fois depuis la réouverture, le capitaine est en charge d'organiser un événement majeur. Comme vous savez, aujourd'hui, on a donc France 98 en arrivée, avec en l'occurrence un déjeuner qui est prêt donc au restaurant L'Écrin. On est prêt? Oui. Allez, alors c'est parti, excellente journée. Merci à tous. À la veille d'un match de gala, l'équipe de France 98 a choisi le légendaire hôtel pour un séjour de deux nuits. Les équipes de Marc sont encore en rodage. Alors il tient à tout contrôler lui-même. À commencer par les chambres. Ils ont déjà fait des retouches de peinture ou pas? Parce que ça sent les placards aussi. Une inspection approfondie. La semaine dernière. Là c'est pareil, il faudra qu'on fasse nettoyer le fond des... Pas question de faire un oubli ou un faux pas. D'accord. Un petit nettoyage du fond des minibars. Si vous mettez ici, vous avez pas mal de tâches. Marc veut que tout soit parfait. Pour votre douche. Donc ce sont des petits détails. Parce que quand vous prenez la douche et que vous vous rincez la tête, vous pouvez voir. On le voit. Donc un petit coup sur les hauteurs. C'est plus facile quand vous avez ma taille. Je n'osais pas le dire. C'est un moment d'émotion puisque en 98, ils remportaient la Coupe du Monde et ils fêtaient ici à l'hôtel de Crillon, Rosewood Hotel, leur moment de gloire. Les retrouver 20 ans après, ça nous fait un petit pincement au cœur. Depuis plusieurs jours, Marc a mobilisé tous ses salariés pour offrir à ses clients VIP un service digne d'un palace. Au sous-sol, le jeune chef pâtissier Pablo Giquel a imaginé un cadeau personnalisé.
Et l'idée, c'était de leur offrir quelque chose qui rappelait leur victoire en 98. Et on a pensé à un ballon de foot en chocolat sur un gazon pour leur rendre hommage. En fait. La couturière a brodé les initiales de tous les joueurs sur 150 oreillers. Et nos clients, ils sont très contents. Et ils peuvent même partir avec, on leur offre. Ça leur fait un petit souvenir et ils aiment bien. Alors que chacun peaufine son ouvrage, dans l'immédiat, c'est dans la salle du restaurant gastronomique que tout se joue. Dans moins de 20 minutes, les stars du ballon rond sont attendues pour déjeuner. Forcément, Marc vient pour une inspection. Qui a fait le setup de la table là ? Vous ? Alors viens, mets-toi là. Et il trouve vite quelque chose à redire. Qu'est-ce qui te dérange là ? C'est droit devant toi, regarde. Oui. La nappe, tu peux pas. C'est la première chose qu'ils vont voir en arrivant. Pareil. Donc il faut rééquilibrer la nappe. Donc vous allez être obligé de le démonter et de le refaire. Juste pour rééquilibrer la nappe. Qui est pas... L'immense table doit être entièrement redressée. Ouais. Et Marc n'est pas au bout de ses mauvaises surprises. Ça, faut me le sortir, ça. Vous ne pouvez pas me mettre ça. Hein. Ben, faut me l'étirer. Tout ce qui est abîmé, faut pas me mettre ça. Faut me tirer ça, ça aussi. Toutes les chaises sont déchirées, impensables. Ça aussi. Après 8 mois d'ouverture, là où il ne devrait y avoir que luxe et perfection, Marc est contraint à la débrouille. Prenez des chaises banquées. On prend les chaises banquées. Ah bah oui, vous pouvez pas mettre des chaises abîmées comme ça. Elles sont super abîmées. Dis donc, j'avais pas vu que c'était abîmé comme ça. Elles sont neuves pourtant, vos chaises. Elles sont neuves, mais bon, il faut penser ou il faut croire que ça n'a pas tenu, donc il va falloir que ça reparte chez le fournisseur. Vous pouvez tout tirer, hein. Ouais, ah, oui, oui. Ah non, ça va pas du tout. Faites un crunch là rapidement pour que tout le monde s'y mette. À tout de suite, je repasse. L'équipe n'a que 20 minutes pour redonner à la salle de restaurant l'éclat attendu d'un palace. Faut que je tire un peu par là. En fait, elle est mal repassée, mais en fait, déjà, c'est le premier problème. Ça. Élie, le chef de rang, va donc s'improviser blanchisseur. Ah, ben il a sauté. Il sort son arme secrète, le bon vieux fer à repasser. Si ma mère me voyait, elle serait heureuse. C'est pas souvent que j'ai fait du repassage. Le coup de pression de Marc a porté ses fruits. Rien n'y paraît plus. La nappe est repassée, droite, les chaises remplacées et la table dressée. C'est quand même mieux, non ? Marc passe pour un dernier contrôle expéditif. Car les clients très VIP arrivent les uns après les autres. Fans et journalistes pourront apercevoir Emmanuel Petit, Lilian Thuram ou encore Christian Carambeu, Youri Djorkaeff et Robert Pires. Cette fois, Marc est prêt. Mais il sait que la machinerie n'est pas encore réglée à la perfection. Il lui reste du pain sur la planche pour que ses équipes atteignent le degré d'exigence escompté. Pour décrocher le titre très sélect de Palace, le directeur a une arme absolue. Regarde dans l'armoire chez Alexis. D'accord. Il y a des chewing-gums et tout ça, on a encore. C'est ici qu'est installé le service de majordome. Dans sa liste, il faudra voir. Tous les clients, quel que soit le prix de la chambre, y ont droit. Ici Juliette. Après être passé par les plus grands 5 étoiles de New York et de Gstaad, Cédric, 29 ans, a pris la tête de ce service dès la réouverture de l'hôtel. Originaire de Belgique, ce fils d'agriculteur a une mission stratégique. Garantir un service sur mesure à tous ses clients. Voyons voir sur Twitter que Madame Trolli est avec un petit chien sur Twitter. C'est sa photo de profil. Alors, à chaque nouvelle arrivée, il mène l'enquête et épluche les réseaux sociaux. J'ai pu trouver là même une page LinkedIn. Donc, elle est styliste. Vous cherchez quoi exactement ? Quelque chose qui revient, quelque chose qu'on peut utiliser. Quelque chose qui... Voilà, qu'elle verra dans sa chambre et qu'elle voit qu'on l'a fait spécifiquement pour elle et que voilà, qu'on sait un petit peu qui elle est. C'est vraiment le but, qu'ils arrivent chez nous, qu'ils se sentent chez eux, qu'ils se sentent reconnus. C'est très important, la reconnaissance. Donner le sentiment à chaque client qu'il est unique et qu'il est attendu depuis toujours, c'est la méthode de l'hôtel de Crillon pour fidéliser. Et pour que la magie opère,
Cédric a ses astuces. Voilà, donc là, on est chez nous, la petite cave d'Ali Baba des majordomes. Par exemple, on a la boîte d'urgence pour l'équipe de nuit, où on retrouve des cendriers, des allumettes, des brosses à dents. Des milliers de petits objets, simples, qui lui permettent de répondre à toutes les demandes, même les plus surprenantes. Du dentifrice et des capotes. Aha ! Et surtout de personnaliser le séjour des clients. Grâce à ses attentions, Cédric espère faire la différence et offrir aux clients une expérience mémorable. Make-up chair, ça va être parfait ça. Ça va être parfait, elle va adorer. Moi je suis un peu grand, mais on est bien. Pour elle, ça sera parfait. Il ne reste plus au majordome qu'à installer la table de maquillage dans la chambre. Je suis pas très galant, moi je te laisse porter la grosse valise. Et attends, on va changer, ça va être beaucoup mieux. Avec l'expérience, Cédric est devenu un as du profiling de cette clientèle fortunée. Il faut donc viser juste. Et chaque client est une nouvelle aventure. Il y a des clients qu'on connaît un peu, donc on sait à quoi s'attendre, on sait dans quelle direction l'aventure va aller. Mais chaque client est une aventure. On peut toujours s'imaginer un peu le type de client que ça va être, mais on ne sait jamais tout à fait à quoi s'attendre. Qu'est-ce que tu penses ? Ou tu le mettrais carrément comme ça au milieu ? Une simple table de maquillage. La boîte magique. Kitsch, c'est génial. Mais les clients, ils aiment. Peut-elle faire la différence ? Ah, voilà les lumières, c'est parfait. C'est parfait. Le verdict ne va pas tarder à tomber. Comme à chaque fois... Bienvenue à l'hôtel de Crillon. Merci, merci infiniment. Cédric accueille ses clients au pied de l'hôtel. Après vous, s'il vous plaît. Triana est américaine et styliste. Elle est missionnée par de riches clientes pour faire du shopping durant la Fashion Week. Si vous le souhaitez, je peux vous faire un petit tour du propriétaire avant de rejoindre vos appartements. Ce sont elles qui lui ont payé un séjour de 5 nuits. Et ça commence par le tour du propriétaire. Waouh, quel lustre! En effet, ce sont des lustres d'origine qui ont été rénovés par les architectes. L'idée est qu'elles se sentent comme chez elles dans ces 17 000 mètres carrés, pensés comme un cocon au luxe discret. Avec au rez-de-chaussée son lobby, son bar et ses deux terrasses qui s'ouvrent sur les différents restaurants de l'hôtel. Au second, les fameux salons historiques. Réparties sur les 7 étages, 124 chambres à la décoration unique, dont 43 suites somptueuses, comme l'immense suite Bernstein. Un appartement de 234 mètres carrés, avec en prime une terrasse et la plus belle vue de Paris. La suite la plus chère de l'hôtel, 25 000 euros la nuit. Et dans les 640 mètres carrés de sous-sol, une armée de petites mains disponibles pour délivrer un service 24 heures sur 24. Mais pour Cédric, ce n'est pas juste une visite touristique. En faisant découvrir les différents espaces à Triana, il espère bien qu'elle ne sorte plus de l'hôtel. Et les deux boutiques de l'hôtel, à gauche et à droite. Génial, mon activité préférée. Et il a de quoi la pâter. Et de ce côté, la partie relaxation bien-être. Entre autres, avec le nouveau point fort du 5 étoiles, la piscine. C'est très joli car nous avons une lumière naturelle. Quand vous nagez, vous pouvez apercevoir tous les immeubles autour de vous et voir le ciel. Triana, elle, a choisi l'une des plus petites suites de l'hôtel. Mais cela ne l'empêche pas de profiter du service de majordome. Bienvenue dans votre nouvelle maison. J'adore, c'est trop beau. Pour 1800 euros la nuit, elle a tout de même 45 mètres carrés avec un coin salon. Même si Triana connaît les palaces du monde entier, elle est aux anges. C'est magnifique. En premier, j'adore le sol en bois. C'est si parisien, si chic. J'aime la couleur, la lumière et surtout la salle de bain en marbre. Je choisis mes hôtels selon la salle de bain. Mon truc pour choisir les hôtels, c'est la salle de bain en marbre. D'ailleurs, j'ai quelque chose d'un peu spécial dans la salle de bain pour vous. Je vais vous le montrer. Cédric comprend vite qu'il a visé juste. Comme je sais que vous travaillez dans la mode et que c'est très important pour vous d'être apprêté pour la journée... Oh mon Dieu, j'adore! Nous avons installé une petite maquilleuse pour que vous puissiez vous préparer le matin.
C'est toujours super génial quand un hôtel personnalise la chambre. Surtout si tu restes dans un hôtel souvent. Quand ils se souviennent pourquoi tu es là, quels sont tes besoins. C'est adorable quand ils prennent l'initiative de mettre ce genre de choses dans la chambre. Juste parce que cela nous fait nous sentir comme à la maison, confortablement installés pendant le séjour. C'est juste superbe, ces petites attentions. J'adore. Thank you. Merci beaucoup. Merci à vous. Le service exclusif de majordome, un atout indéniable pour séduire cette clientèle riche et exigeante. We say à vos amours. Oh. To your loves. À vos amours. À vos amours. J'ai besoin de travailler mon accent. Mais à l'hôtel de Crillon, je pense que je vais me reposer un peu. L'idée est toujours d'en faire plus. Faites, s'il vous plaît. Vous êtes là pour ça. Merci. Cédric, en véritable nounou, va jusqu'à ranger les petites culottes de ses clientes. C'est vrai qu'on a un boulot et dans beaucoup d'aspects, on rentre dans l'intimité du client. Dans les formations qu'on a faites, on a amené beaucoup de lingerie très sexy. On a dit à tous les hommes, s'il vous plaît, touchez, allez-y, pliez, repliez, redéballez, pour que, voilà, pour que tout le monde soit vraiment confortable avec tout ça. Merci, profitez bien du reste de votre journée et à bientôt. Merci. Triana est conquise. C'est un bon début pour Cédric. Mais il reste encore 5 jours pour rendre le séjour de sa cliente inoubliable et la fidéliser. Il n'aura droit à aucun faux pas. À 50 km de là, à Meaux, en région parisienne. Comme tous les matins, Karima, 51 ans, se rend à l'hôtel de Crillon. 1h30 de trajet qu'elle fait depuis toujours de bon cœur. J'aime bien le voyage là. Comme si je pars, je ne sais pas où, mais en vérité, je pars à mon travail. Et je reviens le soir, pareil, je voyage. Voilà. Karima fait partie des murs. Elle travaillait déjà dans l'ancien Crillon. Je suis arrivée à ma maison secondaire. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Tout ça se passe bien? Merci, à tout à l'heure. Elle est femme de chambre depuis 20 ans et elle en est très fière. C'est parti. Ses journées commencent par une petite métamorphose. Le 5 étoiles impose un code vestimentaire très strict. Uniforme obligatoire, cheveux attachés et bijoux interdits. Encore attaché ses cheveux, sinon ils vont faire des remarques. Il faut être toujours bien propre, bien habillé, bien... pas fatigué. Il faut montrer qu'on est là pour travailler et pour les clients. Pas pour autre chose. Allez, on est prêt à attaquer. C'est ça notre vapodile de la journée qui va nettoyer tout. Et je suis très contente de cette vapodile. On y va, ma chérie? C'est bon? Oui. Allez, c'est parti. Karima détient un savoir ancestral et précieux qui permet d'assurer un service d'excellence. Je suis contente, tu me les as laissés dans la chambre. Oui. Depuis la réouverture, les 2/3 du personnel ont été renouvelés et Karima a la lourde responsabilité de former les nouvelles recrues. On va à la 408. Ce matin, elle prend sous son aile Lila. À 22 ans, cette étudiante en licence de management se destine à une carrière de gouvernante. Donc là, on met les soutés? On prend tout le linge. Tout le linge, d'accord. À l'hôtel de Crillon, faire un lit a été porté au rang de grand art. On prend tout le linge qu'on a ramené, on met au milieu, là, d'accord. Comme ça. À cet instant, ouverture. L'apprenti ne se doute pas du niveau de technicité que requiert la confection d'un lit. On ne tient pas la couette comme ça, s'il vous plaît, parce que ça va froisser. Car l'objectif est de donner l'impression qu'il flotte au milieu de la chambre, comme un nuage. Et tu tiens, tu regardes que moi et tu fais. Regarde, juste tes mains qui vont être là. Regarde, je lâche comme ça. Alors il faut mémoriser et maîtriser des centaines de gestes. Regarde-moi bien, tu fais rien. Tu regardes, c'est tout. Tu fais comme ça, pour que ça fasse un rond. N'écrase rien, s'il te plaît. Ça. Et lâcher, plier, déplier et lâcher. Donc en fait, les plis, en fait, ça doit être inversé. Oui. Chaque étape a sa technique, même le sens des tés d'oreiller. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, j'ai compris. C'est technique, Lila, non? Très technique. Ah oui, je t'ai laissé travailler. Comme a dit Karima, c'est le sens du détail. Ah, tu l'as mis à l'envers. Tu vois?
pourtant je l'ai changé. C'est pas grave, mais on peut se tromper. Hein. Il faut penser à tout, mais je pense qu'une fois que qu'on a le coup de main, je pense que ça devient un automatisme et il faut toujours s'entraîner. C'est comme un sport. Oui. Voilà. Je vais revoir mon lit si tout va bien pour me rassurer, parce que c'est moi le valet. Donc voilà, je range un peu là, ça va pas. Pour que ce soit pareil. Voilà. Là, vous auriez envie de sauter dessus? Non, jamais. Je pourrais même pas m'asseoir dessus, même s'il m'invite à dormir dans l'hôtel. Je peux pas, il faut que juste regarder. Je vais juste regarder, sauter dessus, jamais. Même, je ne me permets pas m'asseoir. Pourtant, Karima, comme tous les employés de l'hôtel, bénéficie d'une nuit gratuite pour son anniversaire. Je sais que c'est le confort, je sais que c'est un bon lit, des bons tissus, des bons travaux, j'ai rien à dire. Je connais le goût avec les mains. Karima est un peu de la vieille école, mais il y a une chose que le nouveau Crillon a apporté, c'est ce nettoyeur vapeur. Il a remplacé tous les produits ménagers. Voilà, là, ça nettoie tout en fait. Ça nettoie tout, c'est trois en avant. C'est un produit naturel, ça va être ce petit peu. Cet outil moderne a révolutionné la vie et le quotidien de Karima. Voilà, encore. Pas partout. Oui. On revient comme neuf. Regarde, toutes les microbes, c'est parti. Faire le ménage deviendrait presque un jeu. Lila est en alternance. Une semaine sur deux, elle apprend à maîtriser toutes les tâches, même les plus ingrates. Par contre, ça, tu vas recommencer, ma chérie. Pourquoi ? Tu les as tout fait, je sais. On doit le retirer et mettre une fine jusqu'à là. Ah bon ? Oui. Elle devra parfaire sa formation auprès de son mentor encore 2 mois. Karima doit lui livrer tous ses secrets pour réussir à rendre une chambre comme neuve. Mais parfois, le savoir-faire de femme de chambre ne suffit plus. Car même après quelques mois d'ouverture, le luxueux hôtel subit les outrages du temps. Service. Au 5e étage, Nelly, la directrice technique, se lance dans un PRP, le Perfect Room Project, le projet de la chambre parfaite. Alors que l'hôtel a ouvert il y a à peine 1 an, cet ancien ingénieur dans le nucléaire a la charge de remettre la chambre à neuf. Mais là, de prime abord, excusez-moi, mais elle a l'air parfaite. Ça serait trop beau. C'est l'œil critique, c'est pour ça. Les 124 chambres de l'hôtel sont entièrement rénovées une fois par an. Il y a toujours des choses à refaire dessus, dans chaque chambre. Là, justement, l'objectif, c'est de venir regarder ce qu'il y a. Des fois, il n'y a pas grand-chose, mais des fois, il y a vraiment beaucoup et ça ne se voit pas forcément. Ça peut être juste des traces d'humidité ou d'inondation. Vous voyez, des petites taches, simplement. En tant que palace, ça ne passe pas du tout. Ça doit être repris. Là, la dépose du pommeau de douche, parce qu'ici, ça a cloqué un tout petit peu. Il faut qu'on refasse le plafond. Donc qu'on le ponce et qu'on le relisse, qu'on le repeigne. Enfin là, c'est l'excellence, c'est la perfection. Et donc, on travaille dessus. C'est vraiment l'objectif premier de la Perfect Room Project. Aucune trace de fuite, aucune infiltration. Nelly gère 30 techniciens embauchés en CDI, une mini-entreprise du bâtiment. C'est le prix à payer pour espérer décrocher le titre de palace. Natacha, vous en êtes où de ce que vous avez vu à faire ? Là, ça fait partie des gros problèmes qu'on a dans plusieurs chambres, ça. Cette chambre, facturée à 5000 euros, ne supportera aucune égratignure. Et Nelly, l'œil de lynx, va y veiller. Vous voyez ça, par exemple, on ne peut pas s'appeler l'hôtel de Crillon et se permettre de louer des chambres avec ça. Vous voyez ? Regardez, sans même... Voilà, vous avez l'exemple même là, non préparé, de quelque chose qui doit être touché et refait réellement. Ça fait vraiment négliger. Cet aspect ne va pas du tout avec la culture de l'hôtel, quoi. C'est un bouton sur le bout du nez. Effectivement, on peut dire ça comme ça. Je pense que les clients viennent ici parce qu'ils ont une certaine haute exigence au quotidien et que ce genre de détails ne leur passerait pas à travers. Je suis convaincue sincèrement que tout le monde le verrait. Pendant 7 jours, les équipes techniques vont travailler d'arrache-pied pour remettre cette chambre à neuf. Un travail qui tourne à l'obsession pour Nelly. Oh oui, la déformation, elle est horrible. Je pense qu'on ne peut plus dormir dans un hôtel normalement, nous, quand on y travaille. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible.
Pour décrocher le prestigieux titre de palace, refaire ses chambres à neuf ne suffit pas. La présence d'un restaurant ouvert midi et soir est un critère obligatoire. À l'hôtel de Crillon, on a vu les choses en grand, avec pas moins de 4 endroits où se régaler. Au jardin d'hiver et au bar, on déguste des encas et des pâtisseries. À la brasserie d'Aumont, on se régale d'une cuisine française revisitée. Mais le joyau de la maison, c'est le restaurant gastronomique L'Écrin. À sa tête, le chef Christopher H., 37 ans. Allez, on va aller chercher la plaque Michelin. Bravo, chef. Aujourd'hui, entre deux services, il a une course rapide à faire. Après 7 mois d'ouverture, il vient de décrocher une étoile au prestigieux guide Michelin. Un petit exploit. Quelques pas à faire sur la plus belle avenue du monde pour atteindre le pavillon Le Doyen où a lieu la cérémonie. L'hôtel de Crillon. Monsieur H. Oui. Vous êtes enchanté. Bonjour. Dans ce salon, que des ténors des fourneaux. Il faut aller manger chez lui. Hein. Oui. C'est absolument obligatoire d'aller manger chez ce jeune homme là, parce que c'est vraiment très bon. J'y suis allé il y a 15 jours et franchement, ça vaut le détour. Parmi eux, Yannick Aleno, 3 étoiles. Et le chef des chefs. Bonjour. Le plus grand chef, le chef de l'Elysée. Enchanté. Guillaume Gomez. Ça va, mon voisin que j'ai pas vu depuis des mois. Ah, mais t'as une chanson. Allô, on peut chanter? Chef, attention, c'est un jour important. Parfait, le grand sourire. Grâce à cette étoile, l'hôtel de Crillon gagne des points dans la course au statut de palace. Merci. On va voir la cuisine. Pourtant, Christopher H. a connu bien mieux. Avant la fermeture, le chef avait déjà 2 étoiles au guide rouge. La seule cuisine où on voit le jour. Ouais, c'est ça, c'est palais, unique. Ça, c'est unique. Hein. Ça va, t'es pas mal. T'es pas... Ah non, j'ai pas à me plaindre. Mais c'est au moins un. C'est au moins un. Tu sais, j'ai pas la lumière du jour. On peut pas tout avoir. Dans le petit monde des grands chefs, chacun sait que Christopher mérite bien plus. Attends, je suis déçu. Lui aussi sûrement plus que moi, mais non, mais vous savez, c'est, il a eu un challenge aussi vachement important de reprendre une maison comme celle-ci, de remonter, enfin, faut comprendre, c'est pas si simple en fait d'arriver à une régularité, de mettre toute une équipe en route pour arriver à obtenir tout de suite les résultats escomptés dans les assiettes. Étape par étape, voilà. Bon, après, c'est vrai que c'est une grosse machine à mettre en route. Hein. Christopher H. devra être patient pour regagner sa place. En attendant, il a tout mis en œuvre pour y parvenir. Durant les 4 ans de fermeture, il a fait un tour du monde aux côtés des plus grands chefs pour s'inspirer. Singapour, Hong Kong, le Japon, le Pérou ou encore le Brésil. Et à peine l'étoile accrochée, Christopher ne se repose pas sur ses acquis et retourne à ses fourneaux. 2 couverts, 2 asperges à suivre, 2 champignons, 2 foie gras, 2 lotes. Chef, on fait des portions un peu plus grosses. Hein. Pour le service de ce soir, le chef et sa brigade doivent préparer 300 assiettes. Allez, on y va. Parti. Avec pour seul mot d'ordre, l'excellence. San, c'est quoi ça? Fais gaffe, c'est gras, c'est gras. Ouais. Hein. Pas le droit à l'erreur. Donc ça, c'est ce que je leur répète aussi. La cuisine, c'est avant tout goûter. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. De la rigueur, de la constance et de la créativité, ce sont les principes que s'impose Christopher pour décrocher sa 2e étoile. Tiens, ça va pas. Allô? Ça va pas. Trop sucré, rajoute du citron et refais goûter. À l'étage, 24 personnes sont attendues ce soir. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci. Parmi elles, Jean et Marie-Béatrice, fonctionnaires dans l'éducation nationale. Pour leurs 25 ans de mariage, leurs enfants leur ont offert un dîner à l'Écrin. Merci. C'est un autre univers. J'ai du mal à savoir comment on voit... Et ici, tout va les surprendre. Je vous donne un petit peu de lecture. La façon dont on vous amène la carte est aussi un petit peu différente chez nous. Il y a très peu d'informations de prime abord. C'est pas... Pour la bonne et simple raison, on a plutôt envie que vous vous laissiez faire, hein, que vous laissiez aller dans l'expérience que l'on souhaite vous proposer ce soir à l'Écrin. D'accord ? En guise de menu, de simples noms d'ingrédients. À l'Écrin,
Le client ne choisit pas. Pour 260 euros, il vit une odyssée gustative en 12 plats, ce qui peut parfois effrayer. Tout madame, bien, après, c'est sur les quantités, quoi. Non, ça a l'air que... Ce sont des petites portions. Voilà. Ce sont des portions dégustatives. Sinon, j'ai peur que... d'avoir un petit vous peu... Vous ne pas aller au bout. Oui. Vous allez y arriver. Tout va bien se passer. Est-ce que sur les fromages, Morgane, on peut faire orange sanguine ou pas? Le menu change au fil des saisons. Mais il y a un plat qui ne quitte jamais la carte. C'est un plat autour du champignon de Paris. On va retrouver un crumble de noisettes, des gnocchis. On va retrouver cette émulsion de champignons où on cuit les champignons pendant 8 heures pour vraiment en extraire le maximum de goût et faire cette mousse puissante en champignons. C'est vraiment une intensité que l'on a en bouche sur le champignon de Paris. Un peu de cardamome noir qui va amener aussi ce goût légèrement terreux. L'orfèvre le prépare tous les soirs avec minutie et précision. Et il ne laisse rien au hasard, pas même l'assiette faite sur mesure. Ça représente le pied du champignon. Voilà. Ici, vous retrouvez le champignon de Paris. Le pied. Voilà. Dès qu'il le peut, le chef Christopher va à la rencontre de ses clients. Merci. Un de mes plats signature, le champignon de Paris. Donc, je l'imaginais exactement comme quand on visite une champignonnière. Ça m'embête de vouloir détruire toute cette composition qui a dû mettre un certain temps à être composée. Pour accompagner son plat, champignon de Paris. Un étonnant thé chinois de 8 ans d'âge. C'est extraordinaire. C'est vraiment. Et c'est vrai que le thé se marie très très bien avec le plat, c'est surprenant. Il y a vraiment une recherche derrière. Ça laisse le savoir-faire de la cuisine française au plus haut niveau. Le plat signature du chef a fait de nouveaux adeptes. Donc c'est une union parfaite, ouais, comme un mariage. Mais Christopher H. devra encore surprendre et repousser ses limites pour décrocher sa deuxième étoile. Aux 10 places de la Concorde. Bonjour madame, merci. Bienvenue à l'hôtel de Crillon. Cela fait 12 ans que Nordine est posté devant l'établissement. Je vous laisse passer, monsieur. Il est voiturier. Toute la journée, il assiste à un défilé de berlines dont il ouvre et ferme les portes. On est le premier contact et dernier contact du client qui vient à l'hôtel. Donc on veut être sûr que ça se passe très très bien. Véritable vitrine de l'hôtel. Voilà monsieur, merci à vous. Bonne soirée monsieur, merci. En un seul échange, il doit incarner toutes les valeurs d'une maison de luxe, quelles que soient les circonstances. On ouvre la porte d'un véhicule, des fois on ne sait pas vraiment à qui on a affaire. Moi j'ai ouvert la porte d'un véhicule vitre teinté. Des lunettes sont tombées, je les ai récupérées, c'était Monsieur DiCaprio. Donc voilà, il faut aussi contrôler, quoi. Pas dire « Ah bon, ben c'est Léonard !» Homme politique, star de cinéma, Nordine en a vu passer. Mais sur la question, on a beau insister, il botte en touche. La discrétion, elle est primordiale. On voit beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses. On est témoin de beaucoup de choses. On garde beaucoup de choses en soi. Dans son métier, il y a une chose que Nordine apprécie à sa juste valeur. Bonsoir, monsieur. Conduire des voitures de luxe. Pas étonnant, dans une berline à 180 000 euros. Un véhicule peut-être qu'on ne sera pas capable de s'offrir, mais qu'on peut se permettre de conduire. On l'emprunte. On a une très grande responsabilité quand on conduit un véhicule comme celui-ci, parce que déjà il coûte très cher, et surtout il ne nous appartient pas. Alors, vaut mieux le rendre en un seul morceau. On a des places réservées dans le sous-sol. Comme elle est extrêmement longue, elle dépasse. Les places de parking sont faites pour des véhicules de taille classique. Comme Nordine, les petites mains de l'ombre sont les rouages précieux d'une mécanique fragile. À plus de 50 km de Paris, Choconin-Neufmontier, un petit village posé au milieu des champs.
Bienvenue dans mon palace. Entrez, je vous en prie. C'est ici que Karima a fait construire son petit nid douillet, loin du tourbillon parisien. Qu'est-ce que j'aime bien, le vent là, le silence, c'est un plaisir. Il y a 20 ans, elle s'est lancée un défi. Quitte à être femme de chambre, autant l'être dans un hôtel de luxe. J'ai pris le Ritz, j'ai pris Plaza. Je ne les connais pas, mais j'ai entendu parler, c'est des bons palaces, quoi. J'ai pris Maurice, hôtel Maurice. Et après, les gens me parlaient d'hôtel Grillon que vous connaissez. J'ai dit non, mais c'est un palace comme les autres. Ils m'ont dit non, je pense que c'est différent. J'ai déposé ma candidature, c'est directement sur le champ à la réception. J'ai senti un coup de foudre, si vous voulez. Comment ça se dit, ça? C'est jamais mon cœur qui a battu. J'ai dit non, c'est pas vrai. Mais intégrer le légendaire hôtel relève à l'époque du parcours du combattant. Elle devra attendre 4 mois avant d'être rappelée. Et 4 ans avant d'être embauchée en CDI. Le couscous. Le vendredi et le samedi. C'est for you aussi. Karima est de repos. Et son temps, elle le passe à jardiner et à s'occuper des siens. Non, j'aime bien cuisiner pour que tout le monde mange, tout le monde prend. C'est qui tout le monde? Mes enfants, parce que quand ils viennent me voir, j'aime bien leur donner pour le soir. Elle a réalisé son rêve. Pourtant, elle ne l'assume qu'à moitié. Karima, vous dites autour de vous, vous travaillez à l'hôtel de Crillon ou vous ne le dites pas? Oh, ça dépend. Ma famille, ils savent où je travaille, ils savent que c'était un bon palace, bien sûr. Mais certaines, je ne dis pas parce que je ne veux pas trop de questions. Pour eux, que dès que j'ai dit le nom, ils disent que vous gagnez beaucoup tout de suite. La femme de chambre gagne 1700 euros par mois après 20 ans de carrière. Mais dans son quotidien où le luxe est omniprésent, riche, pauvre, elle ne fait pas la différence. Pour moi, je suis en train de servir une personne comme tout le monde. C'est des humains comme nous. Bah, moi, je ne vois pas la différence. Ce n'est pas parce qu'ils sont riches. Pour eux, déjà, ils ne pensent pas qu'ils sont riches. Pour eux, ils sont normaux. Ils viennent pour se reposer, ils viennent pour leur travail, ils viennent pour des missions. C'est tout. Ce qui lui importe, c'est que l'hôtel de Crillon a changé sa vie. Grâce à son travail, cette mère célibataire a pu s'offrir cette maison et élever seule ses 4 enfants, aujourd'hui devenus grands. Oui, ça a changé beaucoup dans ma vie personnelle de travailler à l'hôtel de Crillon. C'est des voyages tous les jours. Aujourd'hui, je connaissais le client, il vient de New York. Pour moi, comme c'est que j'ai voyagé, quoi. Dans quelques semaines, Karima fêtera ses 20 ans de carrière. C'est la galette du blé, fini, tous les blabla. Un petit exploit dans le monde de l'hôtellerie qui connaît un turnover important. C'est d'ailleurs l'une des grandes angoisses de Marc. Il doit, pour reconstruire l'histoire de son 5 étoiles, fidéliser ses troupes. Toi, t'es un vrai de là-bas, toi, non? Alors, quoi de mieux qu'un séminaire un peu décalé aux couleurs basques. Ce soir, les 380 salariés et même le directeur sont invités à décompresser et à lâcher prise. Oula. Littéralement. Ah. Allez, chef. L'ouverture s'est faite aux allures d'un sprint. Cette petite pause apparaît comme une bénédiction. Combien de temps il y a tout ? Ah ouais, c'est sport, hein ? Là, c'est sport. Un instant, le sort du 10 places de la Concorde paraît loin. Ce soir, il n'y a pas de code. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est vraiment un moment pour eux de plaisir à partager tous ensemble. Mais dès le lendemain, Marc Raffray doit se remettre au travail. Une vision sur la stratégie qui a été mise en place pour l'hôtel. Il lui reste un chantier d'ampleur. Après 8 mois d'ouverture, son établissement affiche un taux moyen de remplissage de 40%, bien en deçà du marché parisien et de ses attentes. Il faut dire que durant les 4 ans de fermeture, la concurrence s'est endurcie. Les palaces se sont multipliés dans la capitale,
10 encadrent actuellement l'hôtel de Crillon. Résultat, la clientèle fortunée a perdu ses habitudes dans le 5 étoiles. Mais pas question pour le directeur d'attendre sagement de nouveaux clients à l'hôtel. Pour la première fois, il a décidé d'aller les chercher sur le terrain. Il s'envole à plus de 3000 km de là. Direction Beyrouth, la capitale du Liban. Pour attirer la clientèle exigeante et riche du Moyen-Orient, il a eu une idée. Bonjour. Exporter, le temps d'une soirée d'exception, l'hôtel et son savoir-faire chez le plus grand couturier du Liban, Eli Saab. Star international, il est connu pour ses robes fluides et élégantes, composées de matériaux nobles, qui mêlent l'Orient et l'Occident. Ce matin, Marc a rendez-vous avec lui dans ses bureaux pour régler les derniers détails. Ben écoute, merci. Encore une fois, merci de... Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. De ton pays et de ta maison. L'essentiel, c'est mon pays. Ah, exactement. Vraiment. Une maison. Écoute, avec toutes les beautés de tous les murs du monde, je trouve que les murs et, la, et les chambres, et les, ça, pour moi, ça ne dit rien. C'est l'être humain qui est présent dans l'hôtellerie, qui fait ce service impeccable. Ce sont les mêmes valeurs que nous partageons, basées sur la simplicité, l'authenticité, la gentillesse, l'accueil, et oui, ça, on trouve ça effectivement au Liban. Pour représenter l'hôtel, Marc a fait confiance à deux machines de guerre, le chef étoilé Christopher H. et Yves, le responsable des événements. Ça va, hein ? Ce matin, il découvre les trésors culinaires du pays du Levant avec le grand chef libanais Youssef Hakiki. Vous pouvez nous préparer du pain ? Et cela commence par la découverte de la cuisson de la traditionnelle pita. Température de 350 pour faire ça, ce pain. Ouais, et juste ça prend 2 minutes. Juste, c'est une grande température pour éclater le pain qui éclate de deux côtés. Là, on peut mettre du sésame. J'adore. Même dedans, il y a... Comme toujours, Christopher, le chef globetrotteur, retombe en enfance. Mais ce n'est là que l'apéritif. T'as vu ? Il m'achète des légumes. Il vend les légumes. Oui, pour le quartier. Il passe avec sa vanette. Youssef Hakiki leur a réservé un petit déjeuner typique dans l'une des adresses les plus populaires de la capitale. Au menu, houmous, caviar d'aubergine, légumes confits, un mezzé copieux. Fatte ta voix. Vous commandez, chef ? Vous commandez ? Non, c'est pas un peu. Je vais te faire mon professionnel. Ça va ? Bayez-moi, ce jour. Fina khalehéron. C'est étonnant comme petit déjeuner. C'est un grand déjeuner. C'est calorique. Ça va tenir au fort. Là, on va être bien pour la journée. Tout à fait. Malgré les apparences, le chef étoilé est bien en train de travailler. C'est frais maintenant, c'est assez fort. Parce que c'est frais. Ouais. Mais c'est bon. Ah oui, c'est bon. Mais c'est fort. Il compte s'inspirer de cette cuisine généreuse pour revoir ses classiques. On va le faire un peu comme ça. Pour la tourte tatouille demain. Ouais. J'aimerais bien un peu. Côté fumé, côté. Exactement. Hein. Ça, c'est bien. C'est super bon. Yes. Oh, le café. Ajouter une touche d'Orient dans sa cuisine française, c'est son secret pour appâter les 80 convives attendus demain. T'es pas obligé à le voir. Faire le marc et en fait le En plein cœur de Beyrouth, dans l'une des rues les plus animées de la capitale. C'est ici que se trouve la demeure d'exception du styliste Eli Saab. À l'abri des regards, une oasis de verdure. C'est dans ce petit coin de paradis que ce soir va se jouer un peu de l'avenir du Crillon.
So two guys for the napkin, one guy to clean all the plates. Yves a aujourd'hui la lourde responsabilité d'exporter le service à la française. À l'hôtel de Crillon, il gère tous les événements exceptionnels. C'est un événement important parce qu'on exporte notre savoir-faire, on exporte notre image, donc on veut que tout soit réussi et on veut que les gens parlent de cet événement encore longtemps. Pour donner aux convives le sentiment d'être aux 10 places de la Concorde, il a emporté avec lui plus de 500 kilos de bagages. Des malles remplies de vaisselle, de linge et d'uniformes. C'est le mieux que l'on puisse faire. En disposant les nappes de cette manière, c'est le mieux qu'on puisse faire. Mais ce qu'il n'a pas pu emporter avec lui, ce sont ses équipes. Il faut retirer les plis. Il faut absolument retirer les plis. Quand on a ses équipes, c'est plus simple. Après, on s'adapte. C'est vrai que ça prend peut-être un petit peu plus de temps, mais après, c'est le langage de la restauration, il est en quelque sorte international. Donc, on arrive facilement à se faire comprendre. Christopher aussi a laissé sa brigade à Paris. Mais il tient à ce que tout soit parfait dans les assiettes. Monsieur le directeur. Monsieur le chef des cuisines. Ça va ? Ça va Yves ? Tu vas bien ? Prêt ? Tu me montres un petit peu ? Si t'as bien bossé, vous me montrez un peu si. Et dans la salle, il va se rendre compte qu'Yves a omis de lui transmettre une information capitale. Ça va, il y a de la place. En plus, celle-là, c'est la plus chargée. 12, t'en as combien de 12 ? 4. Non, tu m'as mis 4 tables de 12. Donc ce qui fait qu'on est à 96. Ouais, on fait 100. On fait 100. C'est bien de le savoir, hein. Merci. Hein. De 80, on passe à 100. Tu sais que je t'adore. Bienvenue, chef. Heureusement que... Mais, qu'est-ce que vous voulez, le dîner a du succès ? Les gens n'avancent pas pour venir ce soir. On passe de 80 à 100, c'est exceptionnel. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Mais il me fait toujours ça, il me fait toujours le coup. À l'hôtel, c'est pareil. Chef, on est à 20 et puis deux heures après, on est à 40. Et ça sort du frigo comme ça, par magie. La pizza libanaise. Hein, vous donnez de la force à vos équipes. Ah, il faut, c'est important là. La réussite de la soirée Habibi. Dépend entièrement de Yves et Christopher. Allez, tiens, pour toi. Ça. Mais si vous avez besoin d'un coup de main pour finir le setup, tu sais, Yves, on est là. Hein. Mais les deux frères d'armes préfèrent dédramatiser et en rire. Yves, on est là. Hein. C'est un travail d'équipe. C'est pour ça, quand on a une équipe, on peut déplacer des montagnes. Ce soir, l'élite de Beyrouth est attendue pour cette soirée très privée. Christopher et Yves devront leur montrer que l'hôtel de Crillon est de nouveau incontournable. À Paris, chose rare depuis l'ouverture de l'hôtel de Crillon, Cédric s'offre aujourd'hui une petite pause avec ses amis d'enfance. Hey, c'est là les amis. Très sympa ton petit truc. Cela fait bientôt un an qu'il ne les a pas vus. Il y a des verres sur table. Bah ouais, ça c'est du service. Ah, c'est intuitif ça. Paris, c'est toujours comme ça. Voilà mes amis belges. Thomas, enchanté. Bouteau, s'il vous plaît, on peut me citer comme connaissance. Bouteau connaissance. En fait, c'est mon beau-frère. Et lui, c'est le parrain de mon fils. Voilà. Tout à fait. Non, c'est mes amis, on se connaît depuis longtemps, longtemps. On a fait les scouts ensemble. Pour ses amis qui officient tous dans la finance, le travail de Cédric reste mystérieux. Des aventures. Non, c'était un gars normal, comme nous. Quoi. Ça veut dire quoi, ça ? Et là, maintenant, il se prend un peu au sérieux. Voilà. On va dire qu'il s'occupe, pour rester diplomatique, de profils atypiques. Un jour, il m'a dit qu'il y a eu un client, je ne sais pas qui ou quoi, mais qui a demandé une brosse à dents. Il avait son nom qui était gravé dans la brosse à dents. De quoi est-ce qu'on s'occupe ? Il y en a un qui est venu pour un week-end à Paris. Vous avez dû déballer 50 paires de chaussures, ouais, alignées dans sa chambre, clac, 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 clac. Et il venait en week-end pour acheter des chaussures. Ça, c'est fort. Et c'est... 50 paires de chaussures pour deux nuits. C'est pas mal. Ouais, c'est fort. Merci, Vadim. Donc, oui. Ces moments de pause entre amis sont pour Cédric l'occasion de se ressourcer. J'ai beaucoup de chance d'avoir une bonne bande d'amis, pouvoir passer des bons moments ensemble, de bien rigoler, de justement déconnecter du travail.
permettre de garder les pieds sur terre. Oui, ça, il n'y a aucun problème. Quand ils s'envolent, j'allais le dire, quand je m'envole, on me remet les pieds sur terre. Voilà. On le remet en place. D'un autre côté, il a un poste très intéressant, mais on est mieux payé que lui. Hein. Non, mais on peut un peu se foutre de... Ça, c'est du belge. Hein. On se fout la gueule l'un l'autre et de sa propre gueule, c'est comme ça. Enfin, les ambitions qu'il avait étaient excessivement hautes et il y est arrivé. Enfin, je crois qu'il va continuer à grandir encore, mais non, c'est sûr que c'est impressionnant. Hein. Car cet acharné de travail reste disponible pour ses clients 24 heures sur 24. The sky is the limit. J'espère bien un jour, en effet, pouvoir continuer à grandir et être directeur d'un hôtel qui est tout aussi beau que l'hôtel des clients. Tout à fait. Tel est le but. Ambitieux ? Non, mais il faut être ambitieux. Un jour, peut-être, marchera-t-il sur les traces de Marc Raffray. Mais en attendant de pouvoir diriger un 5 étoiles, il va devoir faire ses preuves. De l'autre côté de l'Atlantique, Las Vegas. Sa vie nocturne, ses casinos ouverts 24 heures sur 24 et ses hôtels de luxe, dont le Bellagio, un complexe impressionnant avec son lac de 3 hectares et ses jets d'eau dansants. C'est ici que se déroule le plus grand salon professionnel de l'hôtellerie de luxe, Virtuoso. J'ai un peu pu revoir le planning pour aujourd'hui. Réveillé à l'aube, Cédric se prépare à monter sur le ring. Car il a été missionné par Marc pour incarner l'hôtel lors de cet événement. Il commence par endosser son costume de butler et surtout ses slippers, des chaussures ou plutôt des chaussons qui lui permettent de parcourir chaque jour des dizaines de kilomètres. Il faut qu'on soit bien, il faut qu'on soit parfait, il faut que l'uniforme soit comme il se doit. Voilà, j'ai passé un petit coup de repassage encore sur le pantalon, tout ça. Voir qu'on a bien les stylos, les cartes de visite. Qu'on soit à 100%. Déjà, le visuel, c'est important. Et après, il y a le tchatch qui suit. Et de la tchatch, il va en avoir besoin. Ici, les plus gros agents de voyage de luxe sont réunis sur près de 46 000 mètres carrés. L'équivalent de 3 stades de France. Ils sont près de 3000 et ont fait le déplacement des quatre coins du monde. Comme dans un speed dating, Cédric devra passer de table en table et n'aura que 4 minutes pour convaincre. Pour cela, il est accompagné de Pauline. Bonjour Pauline. La directrice des ventes. Bien dormi ? Ensemble, ils doivent démontrer que l'hôtel de Crillon a retrouvé toute sa splendeur et sa place aux côtés des plus grands. On était hier soir. Alors il va falloir être efficace. L'objectif de la journée, c'est de rendre les agents heureux et qu'ils se rappellent de nous surtout. Allez, c'est parti. Premier rendez-vous et petit tour de chauffe avec des agents de voyage américains. Je suis Cédric, ravi de vous rencontrer. Cédric et Pauline ont un show bien ficelé pour laisser leur empreinte. Nous sommes ici pour parler de l'hôtel de Crillon. Vous le connaissez ? Pendant 1 minute 30, Pauline fait l'éloge de la métamorphose du 5 étoiles. Image à l'appui. Nous avons tout rénové, en faisant attention aux moindres détails. Mais très vite, elle passe la main à son joker, Cédric. Je voyage avec Cédric, qui est notre chef majordome. Nous sommes le seul hôtel à Paris à proposer ce service pour tous nos clients. Et pour faire la différence, il va sortir le grand jeu. Cédric a apporté l'une de ses œuvres, ce petit livre. C'est l'un de mes majordomes qui l'a fait pour une cliente qui avait oublié son doudou à l'hôtel. Et avant de le renvoyer aux États-Unis, il lui a fabriqué ce petit livre personnalisé. Donc vous allez retrouver cette petite peluche dans la cuisine, dans différents lieux de l'hôtel. Nous avons en fait raconté l'histoire de ce qu'a fait la peluche en l'absence de l'enfant. Et ça fait mouche. Magnifique. Merci pour votre temps. Merci CG. Merci beaucoup. Les 4 minutes sont écoulées
Le temps de parole pour l'équipe de l'hôtel de Crillon est terminé. Nous avons fait partager l'expérience de la peluche et nous l'avons renvoyée avec le livre à New York. Mais sans rencontres comme celle-ci les attendent aujourd'hui. C'est très difficile de dormir sans son meilleur ami. Un marathon de la séduction que Cédric mène d'une main de maître. Il a vécu toute l'expérience de l'hôtel. C'est génial! Incroyable, incroyable! C'est fou, la peluche a vu plus d'endroits que le client lui-même. Oui, c'est clair. Oh mon Dieu, c'est trop mignon. Le service exclusif de majordome et l'inventivité de l'équipe étonnent et font l'unanimité. Merci pour ton temps, Michael. Fantastique, merci. Ça se voit qu'ils n'ont pas l'habitude de voir quelqu'un des opérations. Donc c'est sympathique, ils sont souvent à l'écoute et contents d'entendre des histoires de quelqu'un qui est en contact direct avec la clientèle à l'hôtel. On a eu quand même quelques « wow », quelques « ouh », quelques « oh ». Cédric marque des points. Mais ce n'est pas son seul atout. Vous êtes le majordome? Oui, je suis majordome. Comme il l'avait prévu, son uniforme ne passe pas inaperçu. Merci. J'adore vos chaussures. Elles sont superbes, n'est-ce pas? Et vraiment confortables. Et si vous ne rapportez pas votre uniforme à la maison, laissez-le-moi. Avec vous? Bien sûr. Laissez-moi le numéro de votre chambre et on verra ce que l'on peut faire. Cédric, quel plaisir de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. J'adore votre tenue. Oh, merci. En fait, c'est mon uniforme de travail. Avez-vous vu mes chaussures? Oh mon Dieu, magnifique. Sublime, n'est-ce pas? Je les adore. Moi aussi, je les adore. C'est vrai que l'uniforme, la garde-robe est assez incroyable, donc ça a son succès. Et c'est vrai que c'est un des petits éléments qui nous aidera certainement dans le succès de cette Travel Week. Au terme de 780 rendez-vous, Cédric a réussi à marquer les esprits. Reste à savoir si cela aura un réel impact sur le taux de remplissage de l'hôtel. Au Liban, la nuit est tombée. Dans la demeure d'Eli Saab, les 7 tables faites sur mesure pour l'occasion sont dressées. Toute l'équipe s'attelle aux derniers détails. Pour Yves, le moment est décisif. Il doit briefer ses 10 serveurs libanais recrutés pour l'occasion. C'est vraiment important et c'est pour ça qu'on a besoin de vous et c'est pour ça qu'on est nombreux ce soir. C'est pour délivrer vraiment le meilleur service que l'on puisse. Okay ? Et les choses les plus importantes, c'est que le client ne doit manquer de rien. D'accord ? Donc même si ce brief fait un peu office de formation express. Ce qui est important, c'est de toujours garder le sourire. En moins de 10 minutes, il doit leur transmettre la rigueur d'un service traditionnel. On va faire un service vraiment à la française. Ça veut dire qu'on va partir chacun avec une assiette à la main. Et la règle numéro 1 est de servir les plats simultanément. Quand Roy fait un signe de tête, vous posez tous en même temps. Okay. Une chorégraphie qui nécessite normalement beaucoup d'entraînement. Ok, we need to go, guys. Yes. Pas de temps à perdre. Il est 20h et les premiers invités arrivent. Dans les coulisses, Yves donne le dernier coup de polish. Il faut le faire plus haut. Pour que ça... Celle-là. Des gants et un foulard. Et voilà les 10 nouvelles recrues transformées en serveurs de l'hôtel de Crillon. Bienvenue à l'hôtel de Crillon. Hein. Non, ne jette pas. Okay. Votre taille de gants? Mais cela sera-t-il suffisant pour impressionner les convives? Car ce soir, c'est toute l'élite de Beyrouth qui est attendue. Des ministres, des businessmen, des stars locales, la crème de la crème qui peut potentiellement demain devenir une clientèle fidèle du nouveau Crillon. En cuisine, Christopher et Youssef s'occupent des derniers réglages. Là, la première table, on fait 14, 12, 12, 14 et 10, 10, on termine. Soit on va sortir 700 assiettes. En 2 heures. En 1 heure et demie, 2 heures. Et pas une minute de plus. On n'a pas le temps de se dire on va pas y arriver ou c'est pas possible. Un chef. Pas d'autre choix, hein. Car les Libanais détestent les repas qui s'éternisent. Le coup d'envoi est lancé. C'est l'heure de vérité pour Yves et pour l'hôtel de Crillon. Tiens, mets-moi des assiettes là-bas, comme ça ils vont au fond directement. Les 10 minutes de formation seront-elles suffisantes? De loin, Yves scrute chaque geste.
et le résultat est loin d'être à la hauteur. Mais Yves, le perfectionniste, n'a pas le choix. Pris dans le tourbillon, il doit maintenir l'ordre. Je leur dis quand ils arrivent ici, ils doivent se taire, c'est pas un jeu. Dis-leur, ils arrivent ici, c'est silence. Et le rythme. C'est dur comme service. C'est une belle épreuve. Une belle épreuve dans une carrière. Yves, on peut ou pas? Oui, je commence à les faire venir. Bah dis-moi si je peux commencer à dresser. J'en ai que 3, mais 18 minutes. D'abord, j'en vais avec 10 Là, quand il est comme ça, c'est qu'il est dans la merde. Christopher H, lui, ne se laisse pas impressionner. Allez, c'est bon, on y va. Eh, les gars, je veux pas attendre 2 heures, là. On peut pas attendre, hein. Posez vos assiettes, on y va, là. On regarde pas la lune. Il tient à garder la cadence, d'autant qu'il doit envoyer son plat signature. Allez, la terre, là. Allez, allez, bascule ici, bascule. Le champignon de Paris. Voilà. Tiens, mets les tourtes au four. Ouais. Vas-y, vas-y, pose pour moi, tu crois que j'ai le temps? Dans les salons, c'est une toute autre ambiance. Dans le cadre feutré et chic créé par Yves, les invités se régalent tranquillement avec les plats de Christopher. Il n'y en a qu'un debout, c'est Marc Raffray. Ce soir, il papillonne d'invité en invité pour prendre la température et surtout vanter les charmes de son hôtel. À peine le repas terminé, les stars de la soirée sont appelées pour une ovation. Les chefs ont réussi leur pari. Et malgré toutes les difficultés, Yves est venu à bout de son service à la française. Ouais, j'essaye. Les gens sont contents, donc j'ai réussi. Une fierté pour Marc. Ce soir, c'est une petite victoire pour l'hôtel de Crillon. Marc est certain d'avoir séduit l'élite de Beyrouth. Mais il est loin de se douter qu'il va bientôt vivre la plus grande déconvenue de sa carrière. Nous sommes le 15 juillet 2018. La France explose de joie. L'équipe de foot décroche sa 2e étoile. Allez, c'est parti. Le lendemain, il est 8h, l'heure du briefing matinal. Bienvenue en ce 16 juillet, date mémorable pour l'équipe de France déjà, et pour la France et pour Paris, et pour l'hôtel de Crillon. Marc a le sourire jusqu'aux oreilles. Aujourd'hui, l'équipe de France est attendue à l'hôtel de Crillon. Donc l'arrivée des Bleus prévue aujourd'hui et probablement en fin de journée. Les champions du monde ont réservé les salons pour se changer avant leur réception au palais de l'Élysée. Donc les joueurs, après la visite à Champs-Élysées et à l'Élysée, passent dans l'hôtel. Mais Marc a une certitude. Ils en profiteront pour saluer la foule. Une tradition initiée par leurs aînés. C'est un moment historique aujourd'hui, donc on a... Pour Marc, c'est une occasion inespérée de voir son hôtel sous les feux des projecteurs. Mais surtout la preuve qu'il n'a rien perdu de sa superbe. Vive la République! Ce matin, toutes les équipes de l'hôtel sont sur le pont. Yves a la charge de mettre en place les salons où seront accueillis les joueurs. Pour l'arrivée donc ce soir, comme vous le savez. Et il va s'attarder longuement sur la terrasse, car c'est ici qu'ils sont attendus pour saluer la foule. On va déplacer le mobilier, on pensera à bien vérifier la propreté et à retirer tout ce qui est parti cendrier. Yves organise plus de 1000 événements par an. Mais celui-ci a un goût bien particulier. On va offrir un rafraîchissement, on va prévoir bien évidemment du champagne. Et enfin, on finit par le dernier salon, le salon des batailles. Bah oui, c'est un moment historique quand même. Donc on ne sait pas tous les jours dans notre carrière qu'on va pouvoir vivre ce type d'événement. Donc ouais, c'est assez important pour nous. Donc on se dit qu'on a 1h30, 1h45 pour tout terminer, qu'on soit prêt à 15h30. L'arrivée des joueurs est prévue entre 16h et 16h30. Okay. Merci beaucoup, bon courage. C'est parti pour 1h30 non-stop de mise en place. Yves et ses équipes vont travailler d'arrache-pied. Il tient à ce que les joueurs se sentent comme chez eux après un mois de championnat. On remet les deux petites tables devant. Voilà. Ouais, on les croise un peu, c'est bien, croise-les un peu. On a fait une mise en place, vous voulez que je vous montre sur la terrasse de l'orangerie? Comme à son habitude, Marc va tout contrôler. On va finir de d'aménager, on va la remettre là. Il faut penser à tout et à tout le monde. Surtout quand il est question d'autographe.
pour les signatures avec le marqueur spécial que nous allons avoir sur la stèle. Tu fais signer aussi ou pas? Absolument. Ça c'est en fait, ça c'est pour l'hôtel. Le plus important, on voulait ça garder pour les employés. Donc on va garder ça. Donc l'idée c'est un pour l'hôtel, un pour le prince et un pour les employés. Ça marche. Si l'accueil est primordial, il y a pour Marc un poste clé et délicat assuré par David Bajazet. C'est celui de la sécurité. De toute façon, l'objectif est simple, c'est la tranquillité de nos invités, nos clients résidents, hôtels et bien sûr les joueurs lorsqu'ils viendront. Peut-être renforcer avec deux agents supplémentaires. On sera quatre minimum. Pour accueillir les stars du ballon rond, un dispositif d'envergure a été prévu par les autorités. Mais pour Marc, cela ne suffit pas. David a donc quadrillé le 5 étoiles. Et sur toute la partie Boissy d'Anglas, tout est complètement fermé, sécurisé pour qu'on n'ait pas de foule qui puisse venir essayer de forcer un petit peu les portes. Et en ça, on a de toute façon l'appui de la sécurité publique avec nous. Entre les curieux, les fans, les malveillants, voire les actes terroristes, David Bajazet a dû parer à toutes les éventualités. On est encore plus vigilant, on redouble de moyens, c'est certain, et on est encore plus précis sur le trafic. On revérifie peut-être encore un petit peu plus que d'habitude, c'est certain. Il est 15h30, les derniers fans se dirigent vers les Champs-Élysées. Plusieurs milliers de personnes attendent l'arrivée des champions du monde. À l'hôtel de Crillon, toute l'équipe est dans les starting blocks, les yeux rivés sur le poste. Ils attendent le signal d'alarme. L'arrivée des joueurs dans l'Hexagone. Il est 17h. Avec une heure de retard, l'équipe de France se pose enfin à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, la Coupe du Monde dans les valises. Ça nous fait très plaisir de se dire que ça y est, ils ont enfin atterri et qu'on va pouvoir les avoir dans quelques heures chez nous. À l'hôtel de Crillon, c'est sûr que là, ça prend forme et on se dit que vraiment, on touche bientôt au but. Donc on est assez contents. Une heure plus tard, les champions du monde traversent les Champs-Élysées. Mais certains fans ont préféré la place de la Concorde dans l'espoir de voir les stars du ballon rond de plus près. Un instant, Marc Raffray a aussi le sentiment d'être l'un des grands gagnants de la journée. L'hôtel de Crillon, c'est un moment où on vient continuer à réinscrire l'hôtel dans l'histoire, et dans l'histoire de France en l'occurrence. Donc c'est vraiment un moment exceptionnel. Regardez. Vous avez déjà vécu ça en tant que directeur? Non, c'est une première fois. C'est une première, effectivement. C'est pas sans émotion, effectivement, que j'en parle. Peu à peu, le groupe de fans devant l'hôtel grossit. Ils sont presque 5000 à faire le pied de grue. Il est 19h30 et comme prévu... Refaisons le trajet juste pour... Les joueurs doivent arriver d'une minute à l'autre pour troquer leur maillot contre leur costume. Peut-être on va tirer les deux fauteuils, là, non? La tension monte. On va les bouger, oui. Fasse un petit peu de passage. Marc veut être certain que tout est parfait. Mettez-les un peu comme ça les gens peuvent s'asseoir, éventuellement. Alors, une dernière fois, il aménage le trajet des joueurs. Il tient à leur réserver un accueil princier, tout en laissant la chance à ses clients d'être au plus près des joueurs. C'est un peu stressant, non? Non. Est-ce que j'ai l'air stressé? Non, mais il y a beaucoup de monde, quoi. Il y a juste quelques millions de personnes devant l'hôtel, mais en fait, tout va bien. On me demande si j'étais stressé. Je dis, est-ce que j'ai l'air stressé? Vous êtes stressé? Non, du tout, je suis serein. Tout va bien. Un dernier brief. On est prêt? Ce qu'on fait, c'est que toi, tu ouvres. C'est-à-dire que bon, je vais les recevoir avec Elsie. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu pars avant de façon à pouvoir s'assurer que le passage soit libre. Mais au même moment, le scénario de départ prend une toute autre tournure. Les joueurs en costume font leur entrée à l'Élysée. Un petit saut dans le planning, auquel Marc Raffray ne s'attendait pas du tout. Pour l'instant, le programme est un programme qui risque d'être repensé. On attend. À ce stade, le directeur de l'hôtel est certain que les joueurs ne pourraient pas faire faux bond aux 5000 personnes qui attendent devant l'hôtel. Mais quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Oui, non, apparemment, ils ne viennent plus et tout s'annule, tout s'arrête. C'est trop longtemps là-bas à l'Élysée. Bon, on va attendre quand même, non? Oui, on va attendre. Hein? Là, c'est confirmé par le contrôleur général. Tout le monde.
paillettes, semble-t-il. Les Bleus ne viendront pas saluer la foule. Vous pouvez rentrer. Marc Raffray va devoir garder la tête froide. C'est pas d'actualité. Et il va faire un choix stratégique. Distiller l'information. Voilà. C'est pour lui le seul moyen de ne pas perdre la face. Pour l'instant, c'est pas gagné. Donc peut-être, je sais pas, on peut peut-être commencer aussi à juste informer les clients qui vont aller s'asseoir. Oui, c'est debout, ils reviendront après. Si ça se fait. Salut. Ça fait partie des risques du métier. C'est-à-dire qu'il arrive parfois que vous attendiez un client important et que pour une raison X, il soit obligé de changer son programme. Ça arrive. Ceci est un message de la préfecture de police. Les joueurs de l'équipe de France ne se déplaceront pas au crayon. Merci de vous disperser dans le calme. Ce soir, les équipes de l'hôtel de Crillon essuient l'une de leurs premières déceptions. Mais rien ne doit les dévier dans leur course vers l'obtention du titre de palace. Trois mois après Virtuoso, l'incontournable salon de l'hôtellerie de luxe, les résultats sont déjà palpables dans les couloirs de l'hôtel. Les clients qui ont été le plus séduits par Cédric et son histoire, ce sont les riches Américains. Saturday morning, we need two reservations with the... Ils constituent désormais 35% de la clientèle. Ce matin, Cédric se rend dans une manufacture de cuir à quelques pas de l'hôtel de Crillon. En vrai, Manuel. Il se prépare à accueillir un couple venu tout droit de New York. Aujourd'hui, on aura besoin de MF. Après 4 ans passés aux USA, KF. Cédric sait comment faire la différence avec ses clients d'outre-Atlantique. J'ai le luggage tag. Et cela commence par un petit geste gratuit. Il personnalise une étiquette de bagages en cuir sur mesure à l'effigie du crayon. En voyant ça, on aimerait que les clients font « waouh ». Un beau « waouh ». C'est ça. Le deuxième luggage tag avec les initiales KF, votre client. Pour les millionnaires qui séjournent à l'hôtel, l'attention pourrait paraître dérisoire. Et pourtant... La Porsche, ils l'ont déjà, donc ça sert à rien de leur offrir une deuxième Porsche. Par contre, ce qu'ils n'ont pas, justement, c'est ces petites attentions. Un petit porte-clés en cuir avec leurs initiales qu'ils pourront mettre sur les clés de leur Porsche. Donc ça, c'est les petites attentions, justement, qui pourront faire la différence. Merci beaucoup, Emmanuel. À la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Avec des nouveaux luggage tags. Nouveau luggage tag, nouveau client. Merci pour ta visite. À bientôt. À bientôt, au revoir. Mais pas de temps à perdre pour Cédric. Maria Fischel et son mari Kenneth arrivent à l'hôtel après un long voyage. Bonjour, je suis Cédric. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Par ici, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous laisser attendre plus longtemps dans le froid. Cédric les rencontre pour la première fois. Je vais vous accompagner pendant votre séjour et je vais vous montrer l'hôtel. Mais comme à son habitude, il a mené l'enquête avant leur arrivée. Il sait que les Fischel adorent l'art. Il leur a donc réservé une suite un peu spéciale. Au 7e et dernier étage, cela fait partie de nos 3 suites signature. La suite 703 à 7 000 € la nuit, transformée régulièrement en galerie d'art contemporain. Bienvenue dans votre appartement parisien. Oh, c'est superbe, c'est magnifique. Très beau, très élégant. En effet, on trouve de nombreuses œuvres d'art dans cette chambre. En ce moment, il y a des œuvres d'Emmanuel Perrotin. C'est une exposition temporaire. C'est une grande chance d'avoir toutes ces œuvres autour de soi. Les Fischel ont l'air ravis. Et ça ne s'arrête pas là. Le majordome a pensé à chaque détail. Oh, wow. C'est tellement incroyable. C'est très beau et ça a l'air délicieux. Il sait que les pâtisseries françaises sont le péché mignon de la clientèle américaine. Mais il garde l'atout maître de la chambre pour la fin. La chose extraordinaire, c'est la vue magnifique depuis votre lit. Qui fait toujours son petit effet. La vue imprenable sur la tour Eiffel. Oh mon Dieu. Très beau, la tour Eiffel, la vue sur Paris, c'est magnifique. Allez, asseyons-nous ici. Il nous faut des fraises et du champagne.
Kenneth et Maria se sentent comme chez eux et se laissent même aller à quelques confidences. Nous sommes mariés depuis 30 ans et donc c'est un séjour un peu particulier pour nous ici à Paris. C'est comme un pré-anniversaire. Une information précieuse pour le majordome. À votre santé. Pour ses clients riches, prêts à payer 35 000 euros pour un séjour de 5 nuits, l'hôtel de Crillon ne s'économise pas pour les chouchouter. Cédric a réservé pour Kenneth un soin de haut standing. Vous avez l'air d'un président. Oui, je me sens vraiment très important. Oui, vous avez vraiment l'air important. Une petite pause chez Xavier, le cireur de chaussures de l'hôtel. Premièrement, je les nettoie. Puis je vais mettre un peu de crème pour assouplir le cuir. Et pour finir, notre traitement spécial. En France, on appelle ça le glaçage. Car à l'hôtel de Crillon, on ne cire pas les chaussures, on les lustre. Et c'est ici qu'on va mettre le cognac. Et ça permet de les conserver plus longtemps ? Oui, bien sûr. C'est exactement ce pourquoi je suis ici. Je suis déjà allé dans des hôtels très haut de gamme, des palaces. Mais là, on est vraiment à un autre niveau. Mes chaussures n'ont jamais été cirées au cognac. C'est un service absolument unique. J'ai l'impression que mes chaussures sont allées au spa. Un petit cadeau d'une valeur de 120 euros qui fait un sacré effet. J'ai le sentiment d'être un petit garçon de 5 ans qui saute à pieds joints. Merci, merci. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi. Pour se remettre de leurs émotions, le couple s'offre un petit saut dans le joyau de l'hôtel de Crillon. Sa piscine et ses 17 600 mosaïques dorées. Vous savez, c'est bon, c'est la bonne température. C'est très rafraîchissant. Regardez, je peux même admirer le ciel. C'est comment de nager dans de l'or? Ah, eh bien, vous savez, l'eau, c'est l'eau. Mais c'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait. L'or scintille, et sous le ciel étoilé, c'est magnifique. C'est très vivifiant. Cédric gère 15 clients en même temps, et il doit se rendre disponible pour chacun d'eux. Il est 19h, et il vient d'être appelé par les ficheuls. Bonjour, comment allez-vous? Entrez. Vous êtes absolument fabuleuse. Merci beaucoup. Prêt pour dîner? Oui, prêt pour dîner. Parfait. Vous êtes passé de Monsieur le Président à James Bond? Bond. James Bond. Mélangé au shaker, pas à la cuillère. Que vous êtes chic, monsieur. Prêt pour la soirée? Pas mal, hein? Pas mal, en effet. Attention, je vais vous prendre votre boulot. Avec des chaussures brillantes comme les vôtres, vous pourriez. Vous avez vu ça? Ça m'aide à avoir confiance en moi. Je me sens mieux grâce à mes chaussures. Ce soir, elle a mangé toutes les pâtisseries. Ils dîneront à la brasserie de l'hôtel. C'est toujours bien une douceur avant le dîner. Je suis d'accord. Passons directement au dessert. Bonsoir. Je vous présente le manager de la brasserie. Comment allez-vous? Voici monsieur et madame Fischel. Ravi de vous rencontrer. Ils vont dîner avec vous ce soir. Merci. Donc je vous dis bonne nuit et à demain. Vous êtes entre de bonnes mains. Bonne dégustation. Bonsoir, madame. Pendant que le couple Fischel dîne. Bonsoir, monsieur. Puis-je vous proposer une coupe de champagne ou un cocktail? Cédric est loin d'en avoir terminé. Service. Bonsoir. Service. Il remonte rapidement dans leur suite car il tient à marquer l'occasion. Vu qu'ils sont ici quand même pour célébrer leur 30e anniversaire de mariage, ce sera plus adapté qu'une bouteille. Le majordome a bien retenu que Kenneth et Maria Fischel fêtaient bientôt leurs 30 ans de mariage. Belle mise en place comme d'habitude.
Ultime attention, il va leur réserver un traitement spécial et parsemer la chambre de pétales de rose rouge. C'est certainement une des choses qui fait la différence entre un palace et un hôtel 5 étoiles. C'est vraiment le niveau de détail dans lequel on va. On va vraiment très très loin, on écoute nos clients, on est vraiment là pour créer ces moments magiques et ces moments voilà, qui n'oublieront jamais. Plus qu'une chambre d'hôtel. Pas mal ça. Tu vois, là. C'est beau, c'est simple. L'objectif est d'associer le crayon à des souvenirs impérissables. Deuxième étage. Oh mon Dieu! Et ça touche droit au cœur. C'est si beau! Merci beaucoup! C'est super! Très joli! C'est si romantique! Madame. De retour aux États-Unis, ils pourront raconter... Oh mon Dieu! Comment ils ont fêté leurs 30 ans de mariage dans la ville la plus romantique du monde, au cœur d'un des hôtels les plus mythiques de Paris. Et pour féliciter Cédric, Marc lui a offert une belle promotion au poste de directeur de la clientèle. Voilà un an que l'hôtel de Crillon a rouvert ses portes. Une course de fond qui est loin d'être achevée. L'hôtel doit sans cesse se réinventer, constamment repousser ses limites. Une rigueur que le chef Christopher H. s'impose à tous les instants. Bien loin de ses cuisines, dans l'Aisne, à 150 km de Paris. Ah Samuel, on aurait dû prendre un 4x4, hein ? Le chef étoilé a rendez-vous avec Samuel, son éleveur de bovins. Ces derniers mois, le chef et l'éleveur ont établi un cahier des charges pour façonner une viande unique, à la hauteur de l'exigence de ses clients. Donc là, tu vois, là, c'est une maman salers, une vache salers. Elle est belle. Hein. Oh, elle est en état, elle est super. C'est rassurant, oui, bien sûr. Donc elles sont heureuses quand même. Elles sont heureuses, on voit le cadre, c'est quand même un cadre exceptionnel. Ensemble, ils choisissent les bêtes et les nourrissent de façon spécifique. C'est ce qui influe sur la qualité de la viande finale. C'est une viande sur mesure et après tout le travail de correction est apporté sur l'alimentation parce que je pense que c'est l'essentiel. L'alimentation de la bête. Christopher et ses équipes font maturer la viande pendant plus de 30 jours dans les frigos de l'hôtel avant de la servir. Le résultat, le voilà. Une viande tendre, parfaitement persillée. Pour la première fois, Samuel va goûter le fruit de cette collaboration. Ce bon morceau de viande que nous allons déguster. Je suis hyper satisfait qu'il y ait des gens qui reconnaissent aussi notre travail. Je parle pour moi aussi, mais aussi pour les autres éleveurs. Je pense qu'on n'a pas tous la chance d'avoir ces produits qui soient sublimés par des grands chefs étoilés français. On va se régaler. Après une demi-heure de cuisson et autant de repos, un peu de fleur de sel, c'est l'heure de la dégustation. On entend le croustillant de la peau. Il en bouche. Il n'en manque pas, hein. Bien, hein. C'est fondant, c'est juteux. Ah, c'est vraiment sublime. On voit toute la filière et là, on est content du résultat. Tout le monde a bien travaillé. Superbe. L'aboutissement d'un travail de plus d'un an que les clients du Crillon pourront déguster dans quelques semaines dans les restaurants de l'hôtel. À Choconin Neufmontier, en région parisienne, c'est l'effervescence. Non, la couleur de ça, tu me dis c'est d'abord. C'est marron qui sort avec le vert. Allez, fais-moi confiance. J'allais retourner un marron, là. Karima se prépare avec sa fille aînée Mélissa pour un très grand événement. Il faut que toujours que je dise... Tu diriges la maison comme un hôtel aussi. Hein. Je vais aller pour ma remise de médaille aujourd'hui. C'est la médaille, le mérite du travail. C'est 20 ans d'expérience. Je suis très fière. Ah, surtout quand ils me le donnent avec... La DRH, la ressource humaine, ça me fait plaisir de les avoir en face de moi. Peut-être qu'il y a le directeur aussi. Cette distinction, décernée par l'État,
récompense le mérite et l'ancienneté. Voilà. C'est pas bien comme ça. Karima fête aujourd'hui ses 20 ans de maison. Ouais. C'est une reconnaissance finalement. Une reconnaissance de son travail, de ses années d'expérience au sein de la même entreprise. Donc, c'est vrai que c'est une fierté pour nous tous. Pour l'occasion, tous ses enfants ont fait le déplacement. Ça va, mes enfants ? On y va ? Ah, la star. Un instant, Karima se sent pousser des ailes. Aujourd'hui, c'est par la grande porte qu'elle fera son entrée. Celle réservée aux clients. Bonjour, je suis la star aujourd'hui. Bonjour, bonjour tout le monde. Je rentre à mon travail aujourd'hui, je suis invitée. Bonjour madame, bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Et on dirait que c'est ma maison pour moi, je n'ai pas besoin. Je connais le chemin, je vais toute seule. Deuxième étage. Bonjour. Merci de m'avoir attendu. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Aujourd'hui. Je suis désolée. Hein. Pourquoi? C'est elle est accueillie par le directeur en personne qui a fait ouvrir les salons historiques pour l'occasion et qui se prête même au jeu du service. C'est pas grave, la directrice. Quand on aime ses équipes, on est au service de ses équipes. Ça, c'est le... Alors, voilà. Ah, je dors, je vais ça avec plaisir. Encore des choses. Encore un peu. Pour remplir. Je mérite ou pas? De quoi? Je mérite de servir par directeur. C'est un plaisir. Dans ce nouveau crayon où la moyenne d'âge est de 25 ans, Karima et ses 20 ans d'expérience font figure d'exception. Karima mérite un grand bravo. On va lever notre verre à sa santé. Ah, quel joli merci. Bruit. Ah. Pour le choix du cadeau, alors, Marc savait ce qui lui ferait vraiment plaisir plus que tout. Pour ne pas nous oublier, vous allez repartir avec un Vapodil. Pour moi. Voilà, cadeau. Pour cadeau. Vous, chez vous, cadeau. Cadeau. Voilà. Merci beaucoup. Le fameux nettoyeur vapeur. On va remettre. Alors, une petite carte et le chèque symbolique. Merci. Karima. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, mais surtout, et puis, la belle surtout, médaille. La belle médaille. Un petit chèque, mais il est grand, là. Un chèque d'une valeur de 400 euros et une médaille d'argent lui sont aussi remis. On peut la raccrocher avec ça. C'est juste comme ça. Voilà. Je pourrais la mettre tous les jours au travail, alors. Tous les jours. Donc je pense qu'on peut l'applaudir et la féliciter. Ça fait plaisir. C'est-à-dire? Ça fait plaisir d'avoir le Sartou, le Vapodil. Surtout le Vapodil, ça y est, je jette mes balais, je jette mon aspirateur tout de suite à la poubelle. J'ai un Vapodil et en plus je veux bien prendre soin. Hein. Karima espère bien un jour fêter ses 35 ans de carrière à l'hôtel de Crillon et recevoir par là même une médaille d'or. Nous sommes le 19 septembre 2018. Ce jour restera gravé dans l'histoire de l'hôtel de Crillon. Alors les gars, grand moment d'émotion pour nous. Il a officiellement regagné sa place de palace. Moment d'histoire, on peut le dire. Il est le 11e à Paris. Elle retrouve sa place. C'est scellé pour la vie. Scellé pour la vie. Donc on peut se féliciter, tous. Enfin presque. Ce titre est remis en jeu tous les 5 ans. Au cœur des Parisiens, l'hôtel de Crillon était un palace. Il fallait l'officialiser. Et là, nous l'officialisons avec effectivement la pose de la place de palace. Dans l'univers ultra compétitif de l'hôtellerie de luxe, l'équipe du Crillon ne compte pas baisser la garde et a déjà en tête des centaines de nouveaux défis à relever.